Ben qui a repris les commandes. Dark est en train de s'empiffrer. À tout de suite. Donc voilà. Alors je sais plus du tout où on s'en était arrêté. Donc là on est paumé au milieu d'un quartier. Voilà, on vient de se faire des points. On Et a j'ai reçu un plusieurs point points de de compétences. compétence. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec notre petit point de compétence? On en est à 4. Oh c'est bien ça. C'est pas mal ça. 4. Alors après. Ah des objets rares. Ça c'est bien. Ça peut être bien. Parce que... Accroître les objets rares, ouais, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée. Moi je fais monter Evie, tu fais monter Barros, Barabos, De toute Balados. façon, bah, ça va tous les deux des vies, donc mais si je peux faire monter les vies, il va falloir faire monter le truc avec le juste à gauche. De quoi le crochetage? La défense? Non, non, c'est Evie, c'est crochetage, le masque et la sorte de lame secrète. Les trois sont dans la visitation de jeu, de toute façon. Bon, allez, quand c'est moi qui joue, je vais me servir de lui. Voilà. Tout de suite? Non, très bien. Molos. Ouais, ça ira plus avec ce que je fais. Bon, mais ça n'empêche que moi, c'est pareil, je veux quand même les objets rares aussi avec. Donc, voilà, puisque ça va être pour faire monter notre confrérie et qu'on en a besoin. Alors, le crochetage, bah ouais, aussi, parce que si j'ai les coffres à ouvrir, il faut que je l'aie. Il me reste 2 points, donc par contre, alors dans les deux, c'était quoi ça? Ça Ça fait booste le compte. ouais, ça c'est le crochetage. Ça c'était les ennemis enlevés. L'activation. Ouais, discrétion. Ouais, ah oui, il y avait le truc où quand tu mets ton premier pain, ça calme tout de suite l'adversaire Voilà, mais il faut savoir, ce soir avant que ça rentre en combat. Et celui-là, la défense. et réduit les dégâts subis. Ouais, bon, j'ai réduit les dégâts. Voilà. Alors, par contre, donc, ouais, je gagne niveau 3, chaussette. Ah bah tiens, t'as débloqué un truc automatiquement, ouais. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Commandement. Appuyez sur R1 pour donner à des rogues de vous suivre. Maintenez R1 pour afficher les ordres avancés. Jusqu'à 3 rogues peuvent vous suivront. Ah oui, d'accord. Donc la fourchette pour l'instant c'était... Deux. On peut aller jusqu'à 5. Et à 3 on pourra aller jusqu'à 5. Donc c'est le nombre maximum. D'accord. Ok. Après... bon on verra ça après. Hein, donc... Par contre dans l'inventaire. Donc moi j'ai mon pote. Donc dans les armes. Qu'est-ce que... Lui c'est le poing américain. Et t'as un point américain même Mais je peux pourri. utiliser la canne. C'est ça tu m'as dit? Ouais. J'ai pas envie d'utiliser les poings américains. Moi c'est pourri les poings américains. Alors t'as les deux là, soit sur la canne, sur la lame. Une tête d'éléphant. Non, Non, plutôt c'était celle d'en haut. celle d'en dessous. Ah, voilà, c'est celle-là. D'accord. Ouais, moi je vais utiliser ça. Donc, s'en équiper. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut l'améliorer? L'améliorer, ça coûte 1000. Mais ça fait pas grand-chose, hein. Bon, ouais, c'est toujours plus un. On a 12 000, donc hop, on l'améliore. Allez, hop, ça c'est fait. Comme ça, c'est fait. Et oui, mais ça. Acquérir de l'argent. Non, ça Ça, s'en fout. on s'en fout. Et ah, mais on peut la faire monter qu'une fois. D'accord. Bon. Nous, vous allez voir, nous sommes des combattants à la canne. Là, on est un peu cané, mais bon. Oui, je sais, c'est nul. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ah, par contre, là, on en a un nouveau qui est gratos. Donc, ça devait être un. On peut s'équiper de celui-là aussi. Et lui, il a plus 3 de. Ouais. Ah. Celui-là aussi. Gantelet de la veuve noire ou le gantelet industriel? Moi je trouve que le gantelet de la Donc veuve là, noire est plus. Oui, moi je trouve ça, il est sympa, il est noir, il est sobre. il est noir et rouge. Ouais. Je sais pas. Bah toi tu mettras l'autre sur ta copine. Moi je vais équiper celui-là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a Ah, l'arme à débloqué? feu. L'arme à feu, même. Le revolver discret, c'est au niveau 4. Surtout qu'il est très discret, il est très argent. Dans les ceintures. Alors, acheter, s'équiper. Ah, ça c'est bien. Plus de Défense plus discrétion et plus de 2. défense. Acheter, acheter, acheter. Donc, ça qu'on peut mettre déjà. Plus 2, plus 2. Donc, ouais, c'est. Ouais. On prend. Dans les tenues. Bah, Yamé. Voilà. Yamé. Acheter, 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 acheter. Et gratuit. T'as or, c'est bien. Or. Ouais, t'as une couleur or. Ouais, Ouais, mais c'est ça tout fait acheté. 1500. Ouais, mais ça a acheté. Moi, je veux pas acheter, vous. Et puis or, il est bien, hein. Ouais, moi je veux pas acheter, vous. Voilà. Ok. Alors. Allez, on va avancer, ça fait 5 minutes qu'on a pas mangé.
D'accord. Alors, dans l'histoire, on en était où là? Donc, on avait libéré la zone. On devait aller à gauche. À gauche, qu'est-ce qu'il y a là? Là, À on est. ça? Voilà. Moi, j'étais en train de libérer la zone au fur et à mesure. D'accord, donc on va se rendre par là-bas et puis bah, en même temps, on va commencer à dévoiler la carte. Voilà, donc c'est par là-bas. Ok! Allez, c'est parti! On y va, mon coco! En route, ma poule! Ça va, j'appuie. Ok! Allez! Ouais, je sais, c'est pas un jeu de course. Bon, moi je suis pas un allumé, je saute pas sur les gens pour leur piquer leur charrette et leur démonter la tronche. Moi, je cours. Personnellement, je ne vois pas de quoi il parle. Vous avez qu'à regarder mes vidéos, vous allez vite comprendre. Alors, par contre, il a toujours apparemment pas créé le. Eux, c'est pas pareil, c'est des méchants. C'était un méchant. Elle dégage. Non mais je veux descendre, je veux descendre. Oh, tu piétines! Je veux Mais non! le finir, je veux le finir. Voilà. Ah bah là, c'est vrai, t'as quand même déjà plus efficace. Voilà, je veux le finir. Bon. De toute façon, je crois que j'étais arrivé au clocher. Ouais, voilà, c'est là. Hop. Le clocher. On était arrivé à Arjus. Alors, est-ce qu'on peut y monter? Le pauvre Ouais. Arjus, il n'a Qu'est-ce rien qu'il demandé, il ne connaît ramasse? pas. Non, mais nous on connaît bien sur AB1 ou sur RT9 si vous suivez le catch. J'aimerais bien un jour qu'il le rencontre, cette femme-là. Il a l'air sympa. En tout cas, c'est clair qu'ils rendent le catch vraiment intéressant avec leurs commentaires. Ça donne une autre dimension. Alors, hop, on continue. Tagada, flagadou. Tac-tac. Je me retrouve encore avec la super simple affaire. Allez, hop! Tiens, ici je m'accroche aux aiguilles. Allez! Tu veux un Big Ben? Mais non, Ouais, je veux. non, c'est pas Big Ben. Je sais où est Big Ben. Là, je monte la Bertha. Non, c'est pas celle de mon oncle Charlie. Ah, j'ai eu peur. Alors, Oh, oh, c'est. synchronisation. Oh, on a une belle vue de là. Hein. Bah, t'as vu la hauteur? Ouais, d'accord. Donc, on dévoile les petites missions qui sont à côté. Qu'est-ce qu'il y a du brouillard ici? Ah ça, on peut dire qu'à cette époque-là. Bon alors, donc c'est par là-bas qu'il faut aller. Le saut de la foi. On a la foi! Alléluia! Je peux vous dire que dans la réalité, si vous amusez à faire ça, vous ressortez pas de la charrette. Hein. Déjà pour la visée, ça va être chaud. Mais pour en ressortir, ça va être encore plus chaud. Hein. Par contre, j'ai une question, à cette époque, il y avait encore des charrettes à foin, comme j'ai vu? J'étais pas là à cette époque, mais peut-être, c'est pas impossible, c'est quoi ce truc qui me chiffonne là sur le. C'est quelque chose que t'as marqué là ou... Non. Ce truc noir qui est sur la carte là. Non, c'est notre base. Ah, c'est le train, d'accord. Ok. Ouais, Ça va, avoir une base qui bouge, c'est marrant. d'ailleurs, faudrait que j'y aille pour nos revenus là pour qu'on puisse. Devenir riche! T'as du temps, hein, ça se bout d'une demi-heure. Ouais, mais plus on en a et plus au bout d'une demi-heure on gagne. Alors, donc c'est par là, tac-tac, voilà, bien sûr, on est dans une zone éliminée, mais non, mais c'est pas ce que je veux faire, moi, voilà, c'est pas ça. Moi, c'est derrière. C'est un petit peu plus loin. Juste après. Ah, parce que comme ça, ils pourront savoir qui joue à quel moment, hein, avec deux personnes différentes. Voilà, exactement. Hop, des jumeaux. Ah, d'accord. Quoi, j'ai juste mis un peu les pieds dans l'eau. Ça mouille un peu. Ah oh, merde, désolé, c'était un flic. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Oups, j'ai glissé, chef. Voilà. Alors, oh bah tiens, il y a encore un autre pénible. T'as buté un chauve! Oh! Bah, et alors? Ça se bute pas les choux? Maintenant, il y a un minimum de la soirée, elle est chaude. Alors, donc là, on a une zone. Donc, qu'est-ce qu'on doit y faire? Ça, c'est une excellente question. Aïe! J'ai reçu un coup de tête de cheval. Ça fait mal. La tête de mule! Ouais. Il y en a qui savent de quoi ils parlent. Hein? Hein? De quoi? Que?
Alors, ramener la cible en vie. Encore? Pourquoi c'est toujours moi qui tape les trucs de merde? J'y crois pas. Alors, la localiser. Où elle est? D'abord. D'accord. C'est super. Au lieu d'aller chercher à l'enlever, au pire, tu libères un peu la zone, hein. Par contre, là, c'est dommage, on n'a pas les trucs soporifiques ou, ou les machins où les mecs ils se battent entre eux. Peut-être pas encore. Furie. Ouais, remarque, là, il y a le risque qu'ils butent celui qu'on doit les aider. Alors... C'est peut-être pas la meilleure idée. Alors, comment on fait pour servir des couteaux de lancer comme ça? Ça les tue pas d'un coup, hein, c'est pas grave. Non, mais c'était pour voir comment ça marchait. Le problème, c'est qu'il y en a un autre là-bas en face. Hop. Alors. Comme par hasard, fallait qu'il y en ait un sur le toit. Surtout que t'as même pas calculé. Hein. Voilà, bah, de toute façon, alors là, elle calculera plus rien. Tu lui as pété la bouche. Non, je lui ai fermé les écoutilles. Là, ils sont placés de manière un peu pénible, les mecs, là. Ouais, en plus, il y en a un juste en face là-bas. Ils sont pénibles. Ils sont placés comme. Oula! Ah oui, non, il n'y en a pas qu'un en face en fait. Mais de toute façon, il n'y a pas d'histoire de. Ah oui, mais si je me fais repère, l'autre il va se barrer comme une vieille. Une vieille three. Three, three. De toute façon, c'est pas là la mission. Non, Bah si, c'est là, faut que je récupère le mec. c'est plus là la mission. Ah, c'est pas ça? Alors. Ah, moi je croyais que c'était ça, moi! Et l'autre il me dit rien! Voilà! Je croyais aussi! Mais c'est après quand je vois que tomber il était plus haut, je fais. Bah, c'est pas Et ça. voilà, il me dit rien, voilà! Ah, je vous jure! Là, on est à 50 mètres! T'étais pas loin! Mais allez! Oh, tu vas le lâcher ce poteau! Tiens, ça, voilà, il fait moins que le char là! Tu lui as mis la capuche! Fous ta cagoule! T'auras les boules! Voilà! Bon! Un peu moins que le char comme ça! Alors, Là, il est dessus, par apparemment. contre, pardon. 12h30. Alors, avant de lancer, nous allons nous arrêter près de notre objectif. Voilà, comme ça nous pourrons reprendre en continuant l'histoire. J'espère que vous appréciez nos playthroughs, comme il dit. Nos... Et que vous. Ouais, enfin, voilà, nos vidéos. Et que vous continuerez à nous suivre, à mettre des commentaires, à vous abonner et à nous soutenir. Et je vous dis à bientôt! À bientôt et à la prochaine!